madame de madame. Ephraim, qu'est-ce qu'il y a? Oncle Don, j'aimerais vous parler. Mais dès que je vous vois, je perds les mots. Mais puisque vous êtes là maintenant, j'ai trouvé la parole donc. J'aimerais discuter de quelque chose d'importante. Okay. Qui nous sera avantageuse. Savez-vous qu'il y a 2 heures, j'analysais, je pensais au fond de moi. Et j'ai conclu que vous êtes la femme la plus belle, la meilleure de toutes que j'avais l'habitude de... Que tu avais l'habitude de quoi? Attends, il y a d'autres femmes qui viennent là. Où ça? Ici? Oui. Non, c'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi? Ok, j'ai dit... Toutes les femmes que je voyais, par exemple, voilà ma chambre. Ma chambre est là. C'est ma chambre. Hein? Si vous entrez, vous verrez la photo de Beyoncé que j'ai achetée sous forme de calendrier. Savez-vous que hier, je regardais votre photo. En effet, j'avais votre image dans ma tête. Je regardais Beyoncé, je vous regardais tous les deux. Je me suis dit, non, vous êtes les meilleurs de toutes. En effet, vous êtes la plus jolie des jolies. Vous êtes la meilleure des meilleures. Ok. Je me suis dit, non, si ce n'est pas vous. Personne d'autre. Savez-vous que parmi toutes les autres femmes, c'est la meilleure. Merci. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là, il est dans la cuisine. Il m'a même envoyé acheter des tomates. Ok. Mais, s'il vous plaît, madame, aidez-moi à parler à monsieur. Dites-lui que les choses sont devenues chères et coûteuses au marché. Les petits trucs qu'il m'a demandé d'acheter, j'y suis allé. Et le plus étonnant, c'est que même les oignons qu'on avait l'habitude d'acheter en petite quantité, sont devenus chers. Le peu qu'ils ont voulu, en effet, qu'ils voulaient me donner, je dirais qu'ils avaient été rongés par des insectes. Mais je n'ai vu aucun problème à ça. Vous comprenez? Donc, aidez-moi à lui parler. Ok, c'est d'accord. Merci. Laisse-moi d'abord entrer. Je... Et Raya, merci. Madame. Chérie, bébé, hey, monsieur, hey, monsieur Locusta, qu'est-ce que tu prépares cette fois-ci? Tu peux voir avec tes propres yeux. Je ne peux voir, dis-y. C'est du riz avec de la sauce comme tu aimes. Oh, génial. Je suis arrivée juste à temps. Oui, tout à fait. Peux-tu aller au salon maintenant? Le déjeuner sera bientôt servi. Oui, papa. Non. C'est là. Ok. Rajoute un plat d'épices. Ok? Oui. Mets-toi à l'aise. Le repas sera prêt dans 10 minutes. Chérie, tu regardes ce film? J'ai trop hâte de le voir. Mes amis m'ont tellement parlé. Bébé, le repas est servi. Bébé, apporte-le ici. Je ne veux pas bouger d'ici. Je veux regarder ce film. Je ne veux manquer une seconde. Apporte-le ici. Merci. Merci, bébé. Merci. Bébé, de l'eau, s'il te plaît. Hé, attends, mes chaussures. Merci. Recule. Bébé, mes chaussures.
Quoi? Bébé, du poulet, plus de poulet. Et je veux plus d'épices dessus. C'est pas assez épicé. Merci, bébé. C'est très drôle. Bébé. Allez, c'est à moi. Quoi? C'est moi. C'est moi. Mais qu'est-ce que... Oh. Hey, bébé. Hello. Bonjour. Bonjour. Est-ce que t'es encore au lit? Oui, mon amour. Tu m'as épuisé hier. J'ai cru que c'était le contraire. Comment peux-tu dire que je ne t'ai pas laissé dormir? Mauvais garçon. Tu ne m'as même pas dit quand tu es sorti. Oh, mais voyons. Je croyais être un bon samaritain. Je ne voulais pas perturber ton sommeil. Oh, cela est censé me faire sentir mieux. Alors, seras-tu là quand je vais rentrer? Non, bébé, je vais devoir partir. Je dois aller faire un truc pour mon père. Ok. Alors, passe une très bonne journée. Toi aussi. Je t'aime. Bye. Bye bye. Monsieur. Hey, il faut. Bonne arrivée.
Ne t'en fais pas, j'ai des bras. Des bras capables. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment vous expliquer quelque chose. S'il vous plaît, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Matt de vous le dire. Je sais que vous êtes encore en colère, ces oignons. J'ai dû ajouter 500. Je vous assure, ce que vous m'avez demandé d'acheter hier, j'ai dû remarquer que vous n'êtes pas du tout content de moi. C'est la raison pour laquelle je vous explique tout ça. Oui, frère. Monsieur. Je ne me plains pas. Vous ne vous plaignez pas, mais en regardant vos actions, elles en disent le contraire. Oui, frère. J'ai eu une journée difficile au bureau. Vraiment? Oui, du coup, je dois aller me reposer. Désolé, monsieur. Certaines personnes, l'argent les cause des ennuis. D'autres, ce sont des rendez-vous qui les causent des problèmes. Mais moi, ce qui me cause des problèmes, ce sont des oignons. Monsieur. Ah. Monsieur, voici ce que vous m'avez demandé d'acheter. Ouais, merci. Monsieur, à vous voir, faire le ménage vous-même. Je suis censé vous aider, non? Non, ne t'en fais pas, c'est bon. Ne t'en fais pas. Tu m'as déjà acheté ceci, donc ça suffit comme ça. Tu peux retourner dans ton bureau. Ah, mon bureau. Monsieur, la façon dont vous m'élevez dans cette maison, je comprends pas. Où est mon bureau dans cette maison? Au portail. C'est là-bas, ton bureau. Oui, officiellement, c'est mon bureau. Mais monsieur, le truc, c'est que je ne peux pas vous laisser faire ça alors que je suis là. Si je m'en vais dans mon bureau, comme vous le dites, mon esprit ne sera pas en paix, sachant que nous sommes tous les deux dans cette maison. Oui, frère, ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas, je peux gérer tout ça. Non, monsieur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne serai pas tranquille si je ne vous aide pas à faire les petits trucs que je suis censé faire pour vous. Alors, laissez-moi vous aider et allez faire autre chose. Nous sommes qu'à deux dans cette maison. Si je ne vous aide pas, qui va le faire? Oui, frère, tu es mon agent de sécurité et non mon homme de ménage. Ok, si je suis votre agent de sécurité, pourquoi m'envoyez-vous au marché vous acheter des ingrédients, en fait, des trucs à manger à la maison? Oh, si ça ne te plaît pas, je peux... Non. Ah, moi, je n'aime pas. Monsieur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que j'essaye d'expliquer... C'est que je peux tout faire. Vous comprenez? En effet, monsieur, laissez-moi faire ceci et allez faire autre chose. Ok, frère, si tu insistes, il y a de la vaisselle sale. Tu peux aller t'en occuper. À vos ordres. À vos ordres. Ok, vas-y. Oui, oh. Oui, frère. Monsieur. Ramène aussi ceci à la cuisine. Oh, ok, monsieur.
Bienvenue une fois de plus. Merci, papa. Tu m'as dit hier soir... Hier, tu m'as dit que tu allais passer me voir dimanche. Je t'ai attendu. C'est bien vrai. C'est bien vrai, papa. Mon programme d'hier était super chargé et j'ai vraiment fait de mon mieux pour venir ici, mais en vain. C'est pourquoi je suis venu aussitôt. Aïké, sais-tu réellement pourquoi est-ce que je voulais te voir? Pas vraiment, papa. Tu dois me le dire. En tout cas, Tony, ton cousin, était ici hier soir avec sa femme et ses trois adorables enfants. Oh, Tony, comment va ce gars? Il va bien. Et la famille se porte bien. Je suis content pour lui. Content pour lui. Mais ce gars n'appelle jamais. Sais-tu que j'ai égaré son numéro? Du coup, j'attendais. J'attendais qu'il appelle afin de récupérer son numéro. Mais en vain, il n'a jamais appelé. Quoi qu'il en soit, Tony est ton égal. Aïké, il était ici hier. Avec une femme. Et trois adorables enfants, comme je te l'ai dit plus tôt. Et si je devine bien ce que je suis en train de te dire, le quatrième est en chemin. Quoi? Essaye-t-il de bâtir une industrie de bébés? Hé, papa, ce gars est mon aîné de 2 ans. Ça ne veut rien dire. Aïké, Tony et toi, vous êtes de la même tranche d'âge. Y compris Denis, qui a 2 ans de moins que vous. Vous faites tous partie de la même tranche d'âge, selon notre culture. Et regarde, Tony, il a une épouse, 3 enfants, x2. Et ils se portent tous très bien. Ok, papa, c'est pour ça que tu m'as fait venir ici, pour parler de tranche d'âge. Bien. En effet, ce n'est pas pour ça que je voulais exactement que tu viennes, mais ce dont nous parlons a beaucoup à voir avec la raison même de ta présence ici. Ok. J'aimerais que tu comprennes que nous avons tous des priorités. Bien sûr, je sais que j'ai besoin d'une femme, mais je ne voudrais pas me lancer dans un mariage qui finira en catastrophe. Je veux une femme qui va me comprendre, une femme qui va me compléter entièrement. Je veux une épouse. Je veux être heureux dans mon foyer, papa. Aïké. C'est une longue histoire pour moi. Une très longue histoire. Ok. Dans ce cas, qu'en est-il de la femme? De la femme avec qui je t'ai vu l'autre jour? Rose. Ok, papa. Écoute très bien. Rose est tout, sauf une femme mariable. Et il recommence. Ça veut dire qu'il n'y a aucune bonne femme? Bien sûr, papa. Il y a de bonnes femmes partout là-dehors. Alors, attendons-nous. Tout ce que je dis... C'est que j'ai besoin de temps pour chercher, pour trouver une femme qui pourra me compléter. C'est tout ce que je demande, un peu de temps. Il faut battre le fer quand il est chaud. Je t'en prie, rends-moi fier. Comment est-ce que... Oh, Aïké, viens. Viens, s'il te plaît. Je réfléchis, vraiment. À quel sujet? À quoi d'autre? Ce dont nous venions de discuter là-dedans. Mais papa, je croyais qu'on en avait terminé. J'ai du travail actuellement. Comment pouvions-nous en avoir terminé? Ok. Imagine, toi, l'autre jour, je t'ai rendu visite chez toi. Je t'ai vu faire pratiquement toutes les tâches qu'une femme est censée faire. La cuisine, le linge, la vaisselle, c'est une partie des choses qu'une femme, une vraie femme, pourrait faire ou t'aider à faire. À ce stade, je pense que tu as besoin d'aide pour te trouver une femme. Et je suis là, et prêt à t'offrir mon aide. Ok, papa, je dois aller au boulot maintenant. Tu t'en vas comme ça? Oh, regarde. Oh, non. Écoutez, nous sommes une compagnie de transport, et dans notre contrat, il est question de livrer la marchandise à nos partenaires et leur proposer nos services. Et je n'ai pas confiance à ce monsieur Alex, ou peu importe comment il s'appelle. Je suspecte qu'il se la coule douce avec ces Indiens. Écoutez, Robina, tu dois juste me tenir informé. Coucou, bébé.
Ah, oui. En fait, Obina, j'aimerais que tu me tiennes au courant de tout ce qui pourrait se passer, ok? Ok, merci beaucoup. Je vais... Oui, merci. Merci beaucoup. Mon cœur. Et chérie. Et ta journée? Oh, très bien. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Ok. Tu te souviens de mon amie Brenda? Elle vient en ville avec son mari des États-Unis. Mais je t'ai parlé d'elle. Celle dont je t'ai dit que le mariage était somptueux bourré des gens. Et j'étais si triste d'y avoir manqué. Mais ne t'en fais pas, je compte me rattraper à son retour. Qui est Brenda? Qui est Brenda? Tu vois où est le problème? Ça montre clairement que tu ne te sens pas concerné par ce qui a du prix à mes yeux. Mais voyons, bébé, je ne vais pas te mentir que je ne sais pas de qui tu parles. Brenda, mon amie d'enfance, ma meilleure amie au primaire. Oh, oui, oui. Celle dont tu disais avoir du béguin pour son grand frère. Je ne l'ai pas dit comme ça. Non. Kelly était mignon. Il me plaisait, mais on n'est pas sortis ensemble. C'est quoi? Non, je dis que tu es très disciplinée, donc tu ne peux pas... Comment tu dis, pars? Je ne ferai jamais une chose pareille. Je ne sortirai jamais avec mon frère. Non. Nous disons exactement la même chose. Tu es disciplinée, tu en serais incapable. Pourquoi tu fais cette tête? Que... T'as confiance en moi? Bien sûr que... Bien sûr, je te fais confiance. Tu veux aller déjeuner? Oui. Tout de suite. Ta journée a été... Pierce. Ah. Mec. Pierce. Comment tu vas? Mais regarde-toi, tu es en pleine forme, mec. Ah non, plus t'es pas mal, mec. Mais ça fait un bail. Ça fait vraiment longtemps. Plus personne ne t'a revu depuis que t'as déménagé d'ici, mec. Mon frère, tu sais comment marchent les affaires. Tu dois être un peu de partout. Regarde-toi, mec. Mon frère. Alors, où est-ce que tu vas? Je vais manger dans un restaurant au centre-ville. Au centre-ville? Mais il y a tellement de restaurants par ici. Mec, ce restaurant n'est pas comme les autres. La cuisine de cette femme est excellente. Mec, vraiment? C'est un cordon bleu. Ok, allons-y. Ok, cool, mec, viens. Allez, montre. Est-ce que tu t'es vu? Pierce. Non. Franchement, tu dois être... Tu es sérieux? Et je te dis, mec. Et ta femme, comment elle va? Ça va, tout doucement. Ça va tout doucement. Je ne te crois pas du tout. Je ne te crois pas. Tu as l'air enfant. On se bat, tu as l'air enfant, mon frère. Madame, ça fait combien? Madame, vos délicieux repas? Je ne m'en passerai jamais. En passant, combien je vous dois? C'était juste très bon, 4 000 naira. Madame. Non, ce n'est pas cher. Vous voulez finir mon argent dans bien votre sûr, restaurant, n'est-ce pas? Tant que c'est moi qui le finis. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Pas de souci, madame. Ma chérie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle apportera la marchandise à la maison de l'année. Elle a dit que sa marchandise arrivera très tard. Mais elle sait très bien qu'on en aura besoin pour la cuisine de demain. Maman, c'est pas grave, ok? Je me lèverai à 4h30 du matin pour le faire. 4h30, ce n'est pas un peu trop tôt? Et aussi, tu te souviens que tu es en entretien d'embauche demain, à la première heure au ministère? Oui, maman, c'est pourquoi j'ai dit que j'allais me lever à 4h30. Et d'ici 6h, j'aurai terminé. Je pourrai aller à mon entretien. Ma fille, je te remercie. Merci beaucoup.
Je t'en prie, maman. Jerry, tu es encore ici, tu n'es pas parti. C'est quand ils fermeront que tu iras. Allez, maman, je suis déjà en route. Ha! Je voulais simplement te voir avant de partir. Allez, vas-y et reviens. Hey, tenez votre argent. Hey, Na, merci. J'espère que vous avez aimé votre repas. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous me devez au... Pas de souci. Maman, je vais... débarrasser. Hey, oh. Hey, Nemo. Hey, oh, Adamo. Tu vas m'emmener au bout de Yuba, j'en suis persuadée. Hey. Cette sauce a vraiment l'air bonne. Ouais, t'inquiète, mec. Ton plat arrive, allez, sois patient. Oui, il ferait mieux de... Non, je vais attendre mon plat. Je vais attendre le mien. Bon après-midi, monsieur Paez. Bonsoir, monsieur. Bon après-midi. Hé, hey, Tina, Dantella t'a laissé ses filles me servir. Je suis vraiment désolée. J'étais occupée à faire quelque chose dedans. D'accord, tes excuses sont acceptées. Je te présente mon vieil ami. Oui, oui. Je lui ai parlé de la cuisine de ta mère dont je l'ai pratiquement entraînée jusqu'ici. Parce qu'elle déteste manger dehors. Bienvenue, monsieur. Merci, Tina. Bon appétit. Oh, bien sûr, merci. Cette fille est magnifique. Ah, vraiment magnifique. Sa mère possède cet endroit. Elle vient de sortir de l'université d'État. Tu es sérieux? C'est une bonne fille. Celui qui aura la chance de l'épouser sera le plus chanceux sur la Terre. Le mariage, on parle de... Je te dis la vérité, mec. Okay. Mais comme t'aimes pas me croire... Ha! Paios, Paios. Ah! Hey! Adam le vieux français. Comment vas-tu? Qu'est-ce que vous êtes belle, madame. Tu ne peux pas t'empêcher de me flatter, Ce ne sont pas des flatteries. Ou alors, n'est-elle pas ravissante? Oui, vous êtes ravissante, madame. Et le repas est une tuerie. Oh, c'est votre première fois de manger ici? Oui, madame. Oh, ça le C'est moi qui l'ai amenée ici. Pour qu'elle goûte un peu ce que je mange tous les jours. Ok. J'espère que vous aimez le repas. C'est un repas excellent. Ah, c'est à croire que c'est ma fille qui l'a préparé. Vous savez, elle a pris la relève à la cuisine aussitôt qu'elle est rentrée du Nord. Ah, au Nord? Mais qu'est-ce qu'elle est allée faire au Nord? Ah, pour sa formation. Elle s'est formée à Maiduguri. Vous êtes sérieuse? J'ai eu ma formation là-bas. Ah! Oui, madame. Et moi, j'ai commencé à vadrouiller dans le marché d'Onitia. Paios, toi... Mais c'est vrai, non? Paios, tu adores faire des blagues. C'est la vérité, hein? C'est là que j'ai été formée. En tout cas, bon appétit et j'espère vous revoir prochainement. Ouais. Merci, maman, merci. Mon cher, s'il vous plaît, ne soyez pas vexé. Dis, qu'est-ce que directement chercher votre repas. J'ai cru que tu exagérais, ne vous inquiétez pas. T'en as ici. T'inquiète. Ma barbe veut aussi goûter à ça. Monsieur. Bonne arrivée, monsieur. Ifré, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Et le boulot a été aujourd'hui? Tout s'est très bien passé. Ifré? Ah. Jay! Paios! Ifré, attendez, vous vous connaissez tous les deux? Mais oui, Ifré était mon camarade de classe au collège d'Abataba. Ah, c'était le gars le plus populaire de l'école. Très populaire. Son père était le plus grand commerçant. Nagwata, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. C'est pas quelque chose que je pourrais vous raconter maintenant. Ainsi va la vie. Ta tenue, es-tu un... Es-tu un agent de sécurité? Oui, en effet, je suis un agent de sécurité. Je suis le gardien de mon cliché, par contre. Qu'en est-il de ton père? Ce n'est pas aujourd'hui que le type est mort. Mais avant son décès, nous avons une ou deux histoires. Avant de le réaliser, mon père a épousé une meurtrière.
qui a fini par le tuer. Donc, je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre ma vie à main et essayer de me battre. C'est ainsi que j'ai appris ce boulot et j'ai fini par travailler avec cet homme. Tiens. Mais tu as pris du poids. Regarde le petit pius d'hier. Attends. Maintenant, c'est mon tour de poser des questions. Toi, tu m'as posé des questions. Toi. Maintenant, attends. Donc, tu connais mon beau, c'est un homme généreux, tu le connais. C'était mon voisin il y a quelques années, un très bon ami. Mon voisin? Ok, assez parlé. Allons à l'intérieur. Vous allez causer plus tard. Ah! Je suis sûr que tu n'as pas arrêté de poursuivre les femmes. Le monde est tellement petit. Je n'arrive pas à croire que le petit Payos est grossi. Ha! Payoyo! Payoyo! Oh oh! Payoyo! Bienvenue chez moi. Waouh! Wow. Il y a aussi un coin à bar. Allez, sens-toi à l'aise. Mec? Ah! Mais t'es un grand homme. Toutes les filles de cette ville m'auraient pour t'épouser, mec. Ok. Écoute, Ike. Qu'est-ce que t'attends? T'es mon pote et je peux t'appeler mon frère. Tina est une très bonne fille. Et tu meurs si tu l'apprécies déjà. Est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Tu as dit qu'elle est belle, et tu as même remarqué sa beauté. Comme si tu priais le ciel pour ne pas perdre cette fille, mec. Je te dis la vérité. Wow, tu es sérieusement amoureux d'elle. Elle me plaît. N'importe quel homme le serait. Je pourrais lui parler si tu veux. Vas-y doucement, hein. Hey, ne cours pas plus vite que ton ombre, mec. Hein? Pas de problème, mec. Mais pense-y quand même. Bienvenue chez moi. Merci, mec. Alors, qu'est-ce que tu aimerais avoir? N'importe quoi. Je n'ai pas vraiment... Est-ce que tu veux, mec? Mais cette vie, je sais, ce serait plaisir. Donne-moi une seconde. Je vais me changer et je te ramène quelque chose. Rose, tu es encore au lit? Je suis fatiguée. Il est presque 11h du matin. Ok. Rose, j'ai très faim. Peux-tu me faire quelque chose à manger? Bébé, tu sais que je déteste cuisiner. Tu sais que je déteste... Mais tu es une femme. Écoute, Rose. Lève-toi. Mais prépare ce que tu peux. Prépare ce que tu veux. Je vais juste manger quelque chose. Mais tu n'es pas handicapé, non? Lève-toi. Arrête! Chérie, peux-tu te dépêcher? J'arrive! Trop tard. Oui. Merci. Je t'en prie. Je t'assure que tu vas adorer. Vraiment? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas épicé. Que se passe-t-il? Désolé, je ne peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as utilisé toute la boîte de piment en poudre pour... Mais bébé, tu as dit que tu l'aimais pimenté. Du coup, j'ai juste mis 5 cuillères de piment camerounais. Quoi? Oui, non. 5 quoi? 5 cuillères de piment camerounais. Mais bébé, c'est bon, non? Voyons. Tu
Tu as dit que c'était bon. Et que tu as goûté. C'est très bon. Mais... Et tu y as ajouté du lait. Du lait de coco. Mais qui ajoute du lait de coco dans des pâtes? C'était pour les rendre... crémeuses. Je suis désolée, mais c'est bon, non? Ok, tu peux finir le reste. Mais tu les aimes pimentés. Où est-ce que tu vas, non? Bébé? Si... Mais c'est bon, non? J'espère que vous aimez votre repas. C'est excellent. Merci. Madame le vieux français, votre cuisine a toujours été bonne. On dirait même qu'il y a eu des améliorations. C'est de plus en plus délicieux. Je vous ai dit que c'est ma fille. Depuis qu'elle est rentrée, elle a pratiquement pris la relève de la cuisine. Et les gens n'arrêtent pas de complimenter nos plats. Et je suis vraiment contente pour ça. Non, madame, elle est bonne. Vous avez fait un très beau boulot. C'est Dieu, oh, c'est Dieu. Mais il le fait à travers vous. Mon cher oh, si tu le dis. Oui, oh. Ok, j'espère qu'on vous donnera une bière après ça. Ouais, bien sûr. Laissez-moi leur demander d'aller chercher. Ok, madame. Sais-tu que je n'aurais jamais pensé manger de la sauce insala dehors? C'est très bon. Il est content que tu commences à le croire, je l'avais dit, mec. Mais tu es... Je ne suis pas comme toi, marié mais célibataire. Mon frère, tu ne peux pas comprendre. Jeune homme, tu es de retour. Hein? Tu as tout acheté? Oui, maman, oui. C'est bon, merci, ok. 2, 4, 6, 8. Il en manque encore 2. Look beyond my imperfections. We could make the best out of life. Look beyond me. Look beyond my imperfections. We could make the best out of life. Imperfect world. Nothing is perfect world, nothing is completely complete. Oh, imperfect world, nothing is completely complete. Nobody is perfect, though. Imperfect world. Judge you, I'm imperfect too. Imperfect world. Oh yeah, yeah. Nothing is completely complete. Nobody perfect. Nobody perfect. Perfect no. World. Oh nothing, yeah. Nothing is completely complete. Thank you.
Bonne arrivée, monsieur. Oui, merci. Que désirez-vous manger? C'est comme d'habitude. Servez-moi comme d'habitude. Ok, un instant. Merci, merci. Excusez-moi. Oui? Comment allez-vous? J'ai bien. Bon après-midi. Bon après-midi. Où est passée Tina, votre sœur? Oh, elle est allée quelque part, mais elle sera de retour bientôt. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. Mr. Ike, oh, avez-vous bonjour, fini? Bonjour, madame. Oui, madame, j'ai fini de manger. Vous n'avez pas l'air bien. J'espère que votre plat vous a plu. Bien sûr que oui. Il s'agit du stress du bureau, madame. Ah, de grâce, ne laissez personne vous stresser. S'il vous plaît, hein? Ce n'est rien de grave. Tout ira bien, madame. Je okay. dois y aller maintenant. D'accord, bien. Passez une bonne journée. Ok, madame. Au revoir, merci. À demain. D'accord, je n'y manquerai pas. Salut. Oh, salut. Salut. Bonne Content arrivée. Content de vous voir. Ouais. Ok, au revoir. Hé, okay. Hey, t'es là? Oui. Il y a quelqu'un qui t'a demandé. Qui? Un monsieur, il vient de partir. Il t'a demandé. Oh, oui. Je l'ai vu partir. Tu l'as vu? Oui. Si. Allez, dégage. Je m'en vais. Capable de faire les tâches domestiques. Et c'est pourquoi ton attitude envers moi a changé. Mais Ike, je t'aime sincèrement. Et ce n'est pas de ma faute si je n'arrive pas à faire ces trucs. On n'était pas libres de laver même nos propres vêtements. Je suis désolée de ne pas être tout ce que tu veux. J'ai honte de moi, mais je te promets qu'un jour, tu seras fière de moi. Je vais disparaître un moment pour mettre de l'ordre dans ma vie. Mais je reviendrai. Je t'aime à jamais. Rose. Tu vois, on va préparer une sauce au go. Ok? Ça, c'est au go. Et ça, du gombo. Ok. Et. Des oignons. Très bien. Et ça? De la tomate. C'est du piment. Oh. Du piment frais. Oh, du piment. Excuse-moi, désolée. Hé, chérie. Rose. Où es-tu exactement? Je suis à. Port-à-Côte. Tu es à port, quoi? Rose, mais que fais-tu là-bas? Je suis là pour un programme professionnel.
Un programme professionnel. Rose, quand comptes-tu rentrer au juste? Ce n'était pas prévu, ok? Je rentrerai dans pas longtemps. Rose, veux-tu dire que tu ignores combien de temps le programme va durer? Que veux-tu dire par tu? Je ne sais pas encore, mais je t'appellerai plus tard, ok? Bye. Je t'aime. Rose, attends. Désolée. Pas de problème. Ok. Alors, on va commencer par... cet Togo. Oui, alors, qu'allons-nous faire avec ça? On va le mettre dans la mamie comme ça. Non. On va prendre un bol, okay. Le remplir d'eau, laver le gombo et le découper. Attends, qui va le découper? Toi. Non, c'est toi. Nous préparons toutes les deux. Non. Tu veux apprendre à cuisiner. Et donc, tu vas découper tout ça. Je veux apprendre, mais je ne veux pas stresser. Ça alors, veut dire que tu ne veux pas apprendre. Je veux apprendre. Je te donne des instructions sur ce que tu vas faire. Et toi, tu les fais. De tes propres mains. Je peux dire. Oui, entrez. Oh, Pierce, assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Mec, ta secrétaire n'est pas mal, hein? Elle ressemble à une femme Fulani. Est-ce que c'est l'offre? Ah oui, mec. Ne fais pas attention aux petites erreurs qu'il y a dessus. Hein. Tu connais tous ces dactylographes du centre-ville. Parfois, je me demande si ces gars ont même fait le cours moyen d'eux. Ils te proposent juste 40%. Ouais, et garder 60%. Tu sais, c'est comme un travail d'équipe, mec. Et je ne suis pas le seul dans mon camp. Vraiment? Je ne suis pas intéressé. Ah, mais pourquoi, mec? Pourquoi? À cause du pourcentage. En fait, 10% est une offre, c'est juste. Ah, ce n'est pas juste. Mais je pourrais convaincre les autres. Les autres? Oui. Voilà, ça me revient, mec. T'as parlé avec elle? Qui? Oh mon, mais qui d'autre que Tina? Tout d'abord, donne-moi ça. Je dois m'occuper de ça, d'accord? Un peu de ça. Et tout ceci. Donc, tu vois, Tina ne fait pas partie de mes priorités pour l'instant. Merci. Ok. Bon après-midi, Monsieur Payas. Hé, hey, Tina, bon après-midi. Tu décides de partir quand nous on arrive? Ah, oh, je veux juste acheter un truc au coin de la rue. Ce truc n'a pas de nom. J'espère que tu ne vas pas voir ton petit copain. Non. Non, Jard, tu ne vas pas voir ton petit copain. Ou non, Jard, t'en as pas un. Les deux. Je vais simplement acheter un truc pour ma mère. D'accord, okay. Je ne mangerai pas avant ton retour. On va à l'intérieur. Okay. Bye. À toutes.
Allô? Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, j'aimerais que tu me rendes un service. Mec, je dois y aller. Ma femme ne fait que m'appeler. Je dois me dépêcher de rentrer, mec. C'est bon, on se voit demain. Alors, d'accord. Tu t'en vas? Ouais, je dois le faire. Ma femme a besoin de moi. Oh. Sans chantier, d'accord? Excuse-moi. Ne devrais-je pas aller avec lui? Il commence à se faire tard. Mais voyons, comment peux-tu... Hey, mec, allez, bonne nuit, mec. Chez moi, sans entrer chez moi. Hein? Allons, allons à l'intérieur. Tu vois ma maison et puis tu pourras partir. Hein? Ne t'en fais pas. Allons, allons-y. Tu es sûr? Tu es sûr que ça va? Ouais, je... Alors, tu es la bienvenue chez moi. Comme je t'ai dit un peu plus tôt, tu n'as absolument rien à craindre. Je sais que je suis un peu fatigué. Je ne suis pas comme ça souvent. J'imagine que j'ai été emporté par ta présence. Tu es juste. Tu es tellement très drôle. Je t'aime trop. Ike, t'es sûr que ça va? Je vais bien, bien sûr. Et il y a un truc ici. Au cas où tu voudrais goûter quelque chose. Sens-toi libre, hein? Sens-toi libre. Okay. Et puis, mets-toi à l'aise. Et puis, tu peux... Regardez la télé. Je vais juste monter rapidement et enlever ses vêtements. Et je te rejoins dans un instant. D'accord? Mmh. Ne t'inquiète surtout pas.
Tu vas bien? Ça va? Ça va, je... Ça va. Ça va très bien. Ike? Maman, t'as vu l'heure qu'il est et tu n'en es pas encore rentrée. Mon fils, je suis aussi inquiet. Oh. Tu sais, ta sœur n'a pas l'habitude de rester dehors aussi tard. Je me demande bien ce qui peut la retenir où elle est. J'espère qu'elle va bien. Maman. Tina, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Maman, je suis vraiment désolée. Vraiment, vraiment désolée. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Que veux-tu dire par les choses ne se sont pas passées comme prévu? T'a-t-il touché? Maman, non. Juste qu'il était ivre. Il s'est endormi quand je suis arrivée chez lui. Quand tu as fait quoi? Tu l'as suivi chez lui? Hey! Tina, essayes-tu de te vendre moins cher? Maman, non. C'est juste qu'il n'allait pas bien et j'ai vu que c'était mal de le laisser dans cette condition. Et c'est Monsieur Payos qui l'a déposé chez lui. Attends, que lui est-il arrivé? Il avait sommeil. Il avait sommeil ou il était ivre? Lequel? Mais il ne boit pas vraiment. Non, il a juste pris 3 bouteilles de bière. 3 bouteilles? Sérieux? Hey, Seigneur! En tout cas, depuis que je le connais, il n'a jamais excédé 2 bouteilles à la boutique. Il n'a jamais pris plus de 2 bouteilles. Bref, comment se portait-il quand tu l'as laissé? Il dormait dans sa chambre. Mais demain, j'irai voir comment il va. Ok, oh, d'accord. Sois juste prudente, c'est tout. Maman, souviens-toi que pendant 5 ans, je me suis occupée de moi. Donc, je ne suis pas une gamine. Hein? Tu es une gamino.
Pitié, pour moi, maman, tu es un bébé. Sois juste prudente, c'est tout ce que je dis. Oui, madame. Trois bouteilles. Jerry, ce gars, le livreur d'escargots, l'avons-nous payé? On lui a donné la moitié. Hein? Donc nous lui devons encore. Oui. Ok. Alors, mon frère, je suis allé au lit avec mes vêtements et mes habits sur moi. Mais je me suis levé avec un pyjama et des chaussons. Et je suis descendu et je lui ai vu avec une serpillière. Elle avait soigneusement nettoyé toute la maison. Et puis elle m'a dit, je suis désolé si tu n'étais pas d'accord avec le fait d'enlever tes habits et tes chaussures. J'ai dit non, il n'y a aucun problème, tant que tu n'as pas vu mon wou-wou. Mais quel spectacle, mec. Qu'est-ce qu'elle a dit? A-t-elle dit quelque chose? Bah, je lui ai dit que ce n'était pas ça le problème, que j'avais faim. Et avant que je n'eusse terminé de parler, elle a filé dans la cuisine. Et quelques instants après, elle est sortie avec un très bon plat de riz sauce tomate. Mon frère, j'étais à mon deuxième plat avant d'ouvrir mes yeux. Cette fille est un tout en un. Hey, j'espère qu'il y en a encore. Hey, j'ai oublié à quel point tu es gourmand. Je n'aurais pas dû le mentionner. En tout cas, elle a fait assez de sauce dans les marmites. Elle a fait une quantité qui durera jusqu'à la semaine prochaine. En plus, avec son argent. À mon réveil, j'ai dû la rembourser. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu vois tout ce que je t'avais dit? Cette femme est une vraie femme au foyer, mec. Eh oui. Mon frère, je commence à être d'accord avec toi. Je commence à être d'accord. Bien. J'espère qu'il en reste encore de ce repas, parce que là, moi, je meurs de faim. Pios, il y a du riz là-bas. Mais attends, c'est quoi ton problème exactement? Parce que tu es marié, je me demande toujours pourquoi tu manges dehors. C'est une longue histoire, mec. Là, je vais aller manger mon riz, mec. Ok. Bon, le riz est juste dans l'assiette à côté du frigo. Donc tu peux... Attends, sérieux? Ok. On y va. Oh, merci. Santé à la plus belle Tina. J'aimerais vraiment te remercier. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je veux dire, tu m'as aimé comme tu m'as donné beaucoup d'amour. Ta façon de t'occuper de moi, ta façon de faire des trucs pour moi, je ne te mérite pas. Tu sais, parfois, on trouve ce que l'on cherche sans même le réaliser. Et parfois, on peut avoir ce dont on a besoin, mais on se met à la recherche. Est-ce que ça a un sens? Ce que j'essaye de dire, c'est... Je t'ai trouvé. Et je ne sais pas comment ça aura l'air, mais... Je voudrais que tu sois ma femme. Alors, est-ce que tu l'aimes? L'amour? Maman, n'est-ce pas un peu tôt pour parler d'amour? Hein? Mon fils, les choses du cœur n'ont pas d'emploi du temps. Ça peut arriver n'importe quand. Bien. C'est un homme bien. Et je pense que oui. Tu penses que oui? C'est-à-dire, tu l'aimes. Tu penses à lui à chaque fois. Je veux dire, es-tu folle de lui? Maman, je ne peux pas vraiment le dire. Mais je sais qu'il me plaît beaucoup. Ok, oh. Le plus important, c'est qu'il t'aime beaucoup. Hmm? Oui, il t'aime beaucoup. Ah, tu sais, j'étais folle amoureuse de ton père. Il m'a tellement aveuglée que je n'ai pas su voir ses défauts. Tu connais le reste de l'histoire. Alors réfléchis. J'aimerais donc que tu réfléchisses très bien. Regarde bien avant de t'accrocher. Hmm?
Ok, maman. Je ne veux pas qu'il t'arrive ce qui m'est arrivé. Je veux que tu aies une meilleure vie que celle que j'ai eue. Merci beaucoup, maman. Merci. D'accord. Alors, quand est-ce qu'il viendra se présenter? Ah, ah! Maman, calme-toi. Ah! Maman! Veux-tu qu'elle ait l'air désespérée derrière cet homme? C'est à lui de faire le premier pas. Il sera prêt sans aucune pression, hein? Si, ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Regarde-t-il. Regarde mon cou. Il me démange. J'aimerais prendre quelque chose. Maman. Qu'il commence à venir haut. Moi, je suis prête. Maman, je l'attends impatiemment. Ah, ah. Hey, maman. Alors, on se dit à demain. Oh, mais voyons, tu as promis. Okay, allez. D'accord, demain. Ok, viens là. À demain. Okay, ok, ok, merci, tu peux y aller. Je t'appelle. D'accord. Bye. Bye bye. Ouais. Allô? Hé, hey, bébé. Est-ce que je peux te rappeler plus tard? Je suis au volant. Mais je... Oui, je sais qui c'est. Oui. Assurez-vous que tout soit prêt. Gabriel? Tina! Oh mon Dieu! Oh eh ben dis donc, regarde-toi! Qu'est-ce que tu as grandi? Waouh! Oh mon Dieu! Je veux dire, quand est-ce que t'es rentré? J'ai quitté les rives du pays à la recherche du vert pâturage. C'était juste après que t'aies eu ton diplôme, je crois. Oui! Ça fait 5 ans maintenant, et je suis de retour. Alors j'ai décidé de passer et voir si je pouvais revoir ton joli visage. Et je suis contente de le voir. Je veux dire, ça fait un bail. Gabriel, tu y es trop canon. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu m'as ramené de Dubaï? J'ai fait dans la fabrication des vêtements arabes. On confectionne des vêtements et un tas de petits trucs. Et je t'ai même gardé quelque chose. Vraiment? Abbé? Oui, monsieur. Peux-tu m'apporter le paquet dans la voiture?
Oh. Waouh, merci, merci beaucoup. C'est le chauffeur qui me conduit depuis que je suis rentré. Oh, vraiment? Ouais. Je suis vraiment contente de te voir. Regarde ça, tout à l'heure, n'est-ce pas? Ouais. Alors, quoi de neuf? Donne-le-lui. Merci beaucoup, Gabriel. En fait, j'espère que... Tu sais, t'as pas besoin de l'ouvrir ici. Oh. Je te l'ai acheté là-bas avec l'image que j'avais de toi dans ma tête. Tu sais, t'as pas changé, hein? Ouais. Merci beaucoup, je vais l'essayer à la maison. Alors, quoi de neuf? La bague sur ton doigt. T'es mariée? Oh, pas encore. Mais je suis fiancée. Oh. Mm-hmm. D'accord. Comment va ta mère? Ma mère? Oh, elle est allée au marché. Mais je suis certaine qu'elle sera très contente de te voir. Elle sera trop contente. D'accord. Bon, laisse-moi déposer ça et je reviens. Je suis toujours là. Hein. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bébé, ça suffit. J'ai presque fini, ne t'en fais pas. Quoi? Ça suffit, arrête. Mais attends. Ça fait mal. Ok, attends. Allez, viens. Allez, attends. Ok. Mais voyons, c'est à moi de le faire. Allô, laisse-moi le faire. Ok. Très bon. Je te l'avais dit. Ok, donc, dis-moi, où sont les photos dont tu m'as parlé? Je pense qu'il y avait un de $100, un de 150 et l'autre de 1200. Je me souviens encore de tous les prix. T'inquiète, je vais te montrer, ok? Ok. Non, ça c'est celui de 2500. Et ça ne faisait pas partie des options. C'est celui-ci. Non. Pas question. D'accord. Je te montre l'autre. Que penses-tu de ça? Celui-ci est pas mal, mais la couleur... Tu es sûr d'aimer cette couleur? Tu n'aimes pas la couleur? Non, je pense que cette couleur ne t'ira pas. Ok, si tu le dis. Alors, où est l'autre? Il y en a un que j'attends depuis. Tu penses à... Oh, bébé, laisse-moi prendre cet appel. Allô, Gabriel? Je vais bien. Ça va, et toi? Non, je ne suis pas au magasin. Oh oui, oui, ils me vont à merveille. Merci beaucoup, ils sont si jolis. Merci. Oui, que Dieu te bénisse, ça me touche. Ok, bye. Qui est Gabriel? Gabriel? Gabriel est l'ancien client de ma mère. C'était un très bon ami. Est-ce que vous sortez ensemble? Sortir? Bien sûr que non, bébé. Gabriel, c'est juste quelqu'un qui venait et faisait rire tout le monde. Je veux dire, je l'ai vu hier au magasin après 5 ans. Est-ce que tu l'aimes? Ike, qu'est-ce qui t'arrive? Je veux dire, comment puis-je l'aimer quand j'étais toi? Est-ce impossible? Parce que j'ai vu la façon dont tu lui parlais au téléphone. Et c'est de la même façon que je parle à tous nos clients. Vraiment? Parce que tu m'as toi-même dit que tu ne donnes pas ton numéro aux clients de ta mère. Ike, Gabriel est un client inoffensif. Tu sais, je le connais depuis longtemps. Même avant que je n'entre à l'université. C'est un homme bien et il n'y a rien entre nous. Sait-il que tu es fiancée?
Tina, comment tu vas? Gabriel, qu'est-ce que tu fais là? En fait, cette boutique vend la plupart des produits que j'exporte. Et je crois qu'il y a des jolies robes qui tiraient bien. Viens, on va voir. Tina, pourquoi tu restes plantée là? J'ai cru que tu allais à l'intérieur. Oui, je vais y aller. Je voulais juste... Ok, on va les prendre ailleurs. Gabriel? Gabriel, je te présente mon fiancé. Désolée, je dois aller avec lui, ok? Ok, ça va. Vraiment désolée. En fait, ça ne va pas du tout. Je n'aime pas voir des hommes étranges autour de ma fiancée. Donc, je vous conseille de rester loin d'elle. Je suis désolée. Nikkei, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te demande d'aller prendre quelque chose et tu t'arrêtes pour discuter avec un étranger. Et tu me poses la question. Nikkei, mais qu'est-ce que c'était? Tu m'as embarrassée. Je ne veux pas en parler maintenant, alors laisse-moi tranquille. Laisse-moi me concentrer au volant. Te concentrer au volant? Je n'arrive pas à y croire. Je ne crois pas qu'il y ait un truc appelé relation inoffensive entre un homme et une femme. Je ne crois pas à ces bêtises. Nikkei, tu dois apprendre à me faire confiance. Te faire confiance? Oui. La confiance n'est pas automatique. Tu veux que j'aie confiance en toi, alors tu dois le mériter. Dis à ce gars que je ne veux plus jamais le revoir près de toi. Et peut-être que là, tu pourras me prouver que je peux te faire confiance. Te faire confiance. Il est jaloux en amour. Ce sont des signes d'alarme. Tu ferais mieux de fuir. Ma puce, n'écoute pas ton frère. Tous les hommes protègent toujours ceux qu'ils aiment. C'est comme ça. Tant que la jalousie ne résulte pas à la violence. C'est exactement ce que je dis, maman. La plupart des hommes jaloux s'avèrent être violents au final. Oh. Violents? Comment? Comme mourir de jalousie et s'énerver au point de te frapper. Non, maman. Je ne crois pas qu'il serait capable de faire ça. Ah, alors si c'est le cas, tu n'as rien à craindre. Écoute, Gabriel, je le connais. Je sais que tu lui plais. Mais tu étais trop jeune et je ne voulais surtout pas que ces gars-là viennent là pour te gâter. Donc appelle-le et dis-lui de te donner un peu d'espace. Puisque tu as décidé d'épouser Aike. Ok? Je me demande pourquoi il lui faut une éternité pour venir faire les présentations. Si tu veux mon avis, dis, ne te précipite dans rien pour l'instant. D'accord? Dieu merci, il y a 2 ans maintenant. Ma chère sœur, prends ton temps. Et tu dis bien ces hommes avant de dire oui, je le veux. Hein? Ok. Oh. Gabriel, tu vois, tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour l'autre jour. Tu vois, mon fiancé est quelqu'un de très jaloux. Peut-on arrêter d'être des amis? Et peux-tu arrêter de m'écrire et de m'appeler au téléphone? Cela affecte ma relation. Et j'espère me marier bientôt. S'il te plaît, je ne veux pas tout gâcher. Ok? Tina, j'ai entendu ce que t'as dit. Mais tu sais quoi? Quoi? Je ne peux pas. Je peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Gabriel, comment peux-tu dire une chose pareille? J'ai cru que tu étais mon ami. J'ai cru que tu m'aimais et que tu voulais le meilleur pour moi. Alors comment peux-tu me dire une telle chose? Parce que je t'aime, Tina. Parce que je t'aime depuis le premier jour où j'ai posé mes yeux sur toi. Vois-tu, je venais pas au restaurant de ta mère parce que je pouvais pas survivre sans sa nourriture.
Mais je venais là-bas parce que je voulais aussi te voir. T'étais jeune, tu préparais ton examen, donc je voulais pas te distraire en te dévoilant mes sentiments. J'ai quitté le pays quand t'as eu ton diplôme parce que je voulais vraiment bosser dur et devenir l'homme dont tu seras fier. Life is not for just a script. And everyone is acting. Music playing with the beat. But no one is dancing. Rules are meant to be kept, but rules are broken, and everyone is hurting. It's like a broken business. No one... Pendant 7 ans et demi, je t'ai cherché dans tous les réseaux sociaux, mais j'ai pas pu trouver ton numéro. Et puis je t'ai toujours aimé. Gabriel, pourquoi ne m'as-tu rien dit depuis toutes ces années? Dieu sait à quel point je t'aimais et comme je voulais entendre quelque chose de ta part. Mais tu n'as rien fait. Tu ne m'as jamais rien dit. Viens, je suis désolée. Parce que c'est trop tard. Je suis fiancée maintenant. Je suis fiancée, que veux-tu que je fasse? Il n'est pas tard, Tina. Je t'ai cherché dans tous les réseaux sociaux, mais tu étais introuvable. Tu sais, Tina, je suis pas là pour sortir avec toi parce que je te connais déjà. Je suis là pour t'épouser à l'instant si seulement tu es d'accord. Si? Qu'est-ce qu'il y a? Si! Mais... c'est... Tina! Tina! Si! Mais qu'est-ce qui se passe? Si, tu sais que tu peux tout me dire. Quelqu'un t'a-t-il offensé? S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur à parler. Hé hey. Je veux être seule. D'accord, c'est comme tu veux. Hein. Tina, je veux que tu me laisses seule. Tina, c'est la femme avec qui tu passes ton temps. C'est pourquoi tu ne décroches pas mes appels, n'est-ce pas? Gros jeu. Pas de rose qui tienne. Dis-lui que ta femme est de retour. Ifré. Ifré. Monsieur. Ah. Tu connais ma copine, la brune, Tina. Oui, oui, la brune. Si jamais elle vient, ne la laisse pas entrer. Vous voulez dire que si elle vient ici, que je ne la laisse pas entrer à la maison? C'est exactement ce que j'ai dit. Je ne veux pas la voir à l'intérieur. D'accord, monsieur. Entendre mon boss dire de ne pas laisser entrer sa copine. Oh! Ah, mon Dieu. Oh, je comprends maintenant, monsieur. Madame est là. Hey. Et il ne veut pas la bataille des copines. Mmh.
Waouh. Mais... Qu'est-ce que c'est bon? Non, 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 ceci est excellent. Ok. J'aimerais te demander si tu l'as fait, mais... Mais attends, comment as-tu appris à faire un truc aussi délicieux en seulement quelques mois? Bien, ma tante, une chef cuisinière, elle m'a tout appris. Non, non, elle est douée. Toi aussi, tu es douée. Merci, j'ai tout appris. Je voulais te faire la surprise. Je ne voulais pas te le dire, mais je voulais te le montrer. Je suis surpris. Non, mais... Quoi? Bébé, je t'aime vraiment beaucoup. Tout ce qui pourrait te rendre heureux, je le ferai. Le ménage, la cuisine, tu n'as qu'à le demander. Tous ces trucs que je n'avais pas l'habitude de faire, je le ferai, et plus. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Bébé, je suis désolé. J'étais confus. Mais le truc étrange, c'est que même dans ma confusion, je t'aimais toujours. Rose, je suis vraiment désolé. Bébé, allez, mange. Ok. Miam, miam. Je suis vraiment contente bon. Que ça te plaise. Bébé, viens par là. Je me régale. Un vrai délice. Merci. J'espère qu'il y en a encore. Toi. Sérieusement, j'en lèche les doigts, c'est très bon. Cette fille m'aime vraiment. Elle a appris à faire la cuisine et les tâches domestiques. Juste à cause de moi. Une autre aurait convaincu son partenaire de trouver une aide domestique pour faire tout cela. Mais Rose, elle s'est humiliée et a tout appris. Malgré ses origines de riche. Et elle a fait tout cela juste pour me rendre heureux. Son genre est très rare. Mais je suis aussi amoureux et... Ok, j'ignore si c'est réellement de l'amour, mais... Je suis maintenant dévoué à Tina. Mon Dieu, que dois-je faire? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Tina. Jolie demoiselle, bonne merci. Arrivée. Tina. C'est monsieur. Tina. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Madame Tina. Ike, mais c'est quoi le problème au juste? Je veux dire, ton gardien ne m'a pas laissé entrer. Et lorsque je t'appelle, tu me donnes des excuses. Je veux dire, qu'ai-je fait de mal? Parce que sa femme est de retour. C'est ce qui se passe. Oh, il ne vous a rien dit. Ike, qui est-ce? Attends. Donc, tu es marié? Ike, tu es marié et tu ne me l'as jamais dit? Non, je ne suis pas marié. Tu ne l'es pas? Ok, tu sais quoi? C'est embarras. Dois cesser. Tu dois choisir entre elle et moi, tout de suite. Décide-toi. Rose, nous avons eu pas mal d'histoires. L'une de ces histoires que, si l'on ne réglait pas, ça allait nous mener à un divorce ou une sorte de crise maritale. Tina, tu es quelqu'un de vraiment incroyable.
Tout homme dans tous ses sens serait très fier de t'avoir dans sa vie. Et je le suis parce que tu as été si bonne envers moi. Rose, tu sais, plus d'une fois dans notre relation, je me demandais qu'est-ce que tu ramènes exactement sur la table, hormis le fait qu'on s'aime beaucoup. Quelle est ton utilité dans notre relation? Et je me suis posé plusieurs autres questions, mais je n'ai trouvé aucune réponse raisonnable. Et je n'arrêtais pas de me demander ce que je faisais exactement avec toi. Et puis, ces derniers jours, il y a eu tellement de drames. Il y a eu tout un tas d'événements dramatiques et je ne sais vraiment quoi dire. Tina. Tina, tu as pris grand soin de moi. Je te suis infiniment reconnaissant pour ça. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal. Je ne ferai jamais rien qui puisse te blesser. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Tu vois, Tina, je ne sais pas, mais j'aime cette femme. J'aime tellement cette femme. Je l'aime sans aucun doute. Je l'aime sans aucune raison. Genre, je sais que c'est vraiment triste, mais je n'ai jamais voulu que tout ceci arrive. Tina, Tina, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Mais je ne peux pas laisser cette femme pour personne. Je peux te voir dehors une minute. Tina, Mickey, je voulais qu'on se voie hier. Parce que je voulais te dire que je suis enceinte. Oui, je suis enceinte. Il ne manquait plus que ça. Hein? Maintenant que t'es enceinte de lui, et il veut te quitter pour épouser une autre. Mais qui fait ça? Non, mais qui va mettre une femme enceinte après l'avoir fiancée et la quitter pour épouser une autre? Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ce Aike ou peu importe comment il s'appelle, il doit t'épouser, hein? Il doit l'épouser. Tu es là à me dire que tu es amoureux d'une autre femme, que je ne sais même pas si elle tombera enceinte de toi. Écoute, notre sang ne se vautre pas et ne reste pas hors de notre famille. Nous devons aller voir ses parents. Mais papa, tu ne me comprends pas. Comprendre quoi? Ok, Tina est quelqu'un de bien et tout ça, mais... Mais papa, j'aime Rose profondément. Oui, papa, Ok, on a eu des soucis. Mais ça, c'est parce que elle était paresseuse. Elle était gâtée. Elle refusait de contribuer. De contribuer dans notre relation. Mais maintenant, elle s'est ressaisie. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Papa, s'il te plaît, je t'ai tout expliqué. Je comprends. Je ne te force pas à te marier avec elle. Non, loin de là. Je dis simplement que nous devons assumer nos responsabilités. Nous devons être la famille noble que nous sommes.
Nous devons au moins aller voir ses parents. Elle porte mon petit enfant dans son ventre. C'est ce que je veux dire. Nous devons voir ses parents. Quoi ? Elle m'a appelé hier pour me dire qu'elle est chez une amie. Et qu'elle va bien. Que je ne dois pas m'inquiéter. Elle a dit qu'elle gardera la grossesse. Alors, supposons que vous voudriez aller à sa recherche. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit à tenir en compte. Pas du tout. Il n'y a aucun endroit à tenir en compte. Pourquoi votre fils a-t-il fait cela à ma fille? Pourquoi? J'ai bien élevé ma fille, juste pour que votre fils vienne gâcher sa vie. Je prenais votre fils pour un homme bien, et je l'ai encouragé à être avec lui. Ce que j'ignorais, c'est que je faisais une grave erreur. Si quelqu'un m'avait dit au rêve que votre fils aurait traité ma fille de la sorte, je l'aurais combattu. C'est à ce point que j'avais confiance en votre fils. Mais il a... Oh Seigneur! Dieu voit tout. Dieu voit tout. Madame, je vous en prie. Je vous prie encore. N'oubliez pas que je suis impliqué là-dedans, moi aussi. Je promets de faire tout ce que je peux, personnellement, pour corriger cette erreur, cette bêtise qu'a commis mon fils. Ah. Ah, madame, je suis vraiment désolé pour tout ça. Entre-temps, s'il vous plaît, j'aimerais que vous gardiez ça. Je reviendrai bientôt, par la grâce de Dieu, dans 2 jours, pour voir comment arranger tout ça et s'assurer que tout aille pour le mieux, ok? D'accord, monsieur. Je dois y aller maintenant. D'accord. Calmez-vous. Au revoir. Ok. Maman, qu'est-ce qu'il est venu faire? Ont-ils enfin décidé de venir payer sa dot? Pas encore, mais il a dit qu'il va veiller à ça. Il ferait mieux de le faire. Il ferait mieux de le faire. On ne laissera pas Aïké faire le contraire. Parce qu'il ne peut pas se permettre de fiancer des femmes et les enceinter, les abandonner pour aller dans les bras d'une autre. Ça va pas se passer comme ça. Non. Pas question. C'est bon, maman. Tout ira bien. Je te le promets. Je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Donc votre fils est allé jusqu'à épouser une autre femme, après avoir mis ma fille enceinte. Ah! Il ne verra jamais du bien avec toute sa génération. Madame, je vous en prie, calmez-vous. Au moment où nous parlons, mon fils et moi ne sommes pas du tout en bon terme. J'ai essayé de l'arrêter comme je pouvais pour qu'il ne fasse pas cette bêtise. Mais il a refusé. Ah, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas quoi faire. Monsieur, écoutez. Écoutez très bien. Ne lui demandez pas de se calmer. Je veux dire, comment est-ce qu'il a pu faire ça à ma sœur? Comment as-tu pu? Il pense avoir fait ce qu'il a fait et s'en tirer comme ça? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais allez lui dire que j'ai dit que c'est pas encore fini. Vous dites que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. S'il vous plaît, levez-vous et partez d'ici. Partez avant que je ne commette l'irréparable. S'il vous plaît, madame, veuillez vous calmer, nous pouvons trouver une solution. Hein? Faire en oui, quoi? Ensemble. Que Dieu m'en garde. Un compromis à ce sujet. Vous et qui? Vous et moi faire un compromis? Je vous ai dit de partir. Ok. Dégagez. Ok, veuillez m'excuser. Regardez-le faire un compromis. Hey!
Et tout ceci parce que mon mari n'est pas là. S'il était là, il aurait fini avec votre méchant et abruti de fils. Oh, Dieu! Dieu de justice, où es-tu? Dieu de justice, où es-tu? Maman, ça va. C'est bon, calme-toi. Regarde-moi. Maman, calme-toi. Je te l'avais bien dit. C'est pas grave, ils vont m'entendre. C'est pas fini comme ça. Ada, ramène-moi quelque chose à ton retour, hein, s'il te plaît. C'est une blague. Écoute, tu ferais mieux de rentrer m'acheter quelque chose. Mais oui. Ada, je veux juste une glace, s'il te plaît. Madame, ta maison ne va pas s'enfuir. Hein? C'est ton ami qui te parle. Hein? Quelle route est barrée? Da, tu sais que je suis doublée maintenant. Donc, c'est pourquoi j'ai cette envie. Oui. Ok, merci. J'attends. Oh, Jésus-Christ. Gina, je t'ai appelé et je t'ai envoyé des messages. Mais tu as refusé de décrocher à mes appels et de répondre à mes textos. Ta mère m'a dit tout ce qui s'est passé. Je suis au courant de la grossesse. Gina, rien ne peut m'arrêter de t'aimer. Ton enfant est le mien. Je t'aime encore plus pour le fait que t'as décidé de garder la grossesse. S'il te plaît, mon amour, donne-moi une chance dans ta vie, parce que ma vie n'a pas de sens sans toi. Je vais être à tes côtés. Je vais être le père de ton futur enfant. Pendant 5 ans sur la terre étrangère, la pensée d'être avec toi m'a maintenu fort et en vie. Mais jamais, c'est ainsi que je voudrais t'aimer. Gina, rien ne changera cela. Même pas toi. Gabriel? Je peux entrer? Thank you.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Life is not but just a script, and everyone is acting. Music playing with the beat, but no one is dancing. Rules are meant to be kept, but rules are broken, and everyone is haunted. It's like a broken piece, no one to complete it. So I kept on searching. More than words can say, more than eyes can see, more than what the heart can really explain. More than words can say, more than eyes.